Ma famille était assise par terre. D'habitude, nous sommes assis normalement sur des chaises comme tout le monde, mais ce soir, ma sœur a apporté la vieille télévision du grenier dans la salle à manger, pour pouvoir regarder la VHS de son récital de danse, qu'elle venait de retrouver dans les cartons. C'était une vieille télévision à tube. Il fallait plisser les yeux pour distinguer les couleurs, mais au moins il y avait un magnétoscope intégré, et c'était le seul moyen de regarder les cassettes, que ma sœur avait eu, comme prix de consolation pour avoir terminé la danse, il y a 7 ans. Nous nous sommes donc tous assis sur le sol, papa, mes deux sœurs et moi, rassemblés autour de la télévision pour regarder. Alors que la bande devenait statique, j'entendais notre chien courir dans les escaliers. Tout le monde s'est tourné vers l'escalier et a regardé avec horreur le passage de mon chien au galop. Ma plus jeune sœur était la seule à avoir le sourire aux lèvres et à ouvrir les bras lorsque le chien de notre famille s'est jeté sur ses genoux. « Qu'est-ce qui se passe, Ted ?» murmura ma mère. Je ne sais pas si mon père ne l'a pas entendu, ou s'il était juste pétrifié par la peur de voir sa défunte épouse pour répondre. Outre le rire de ma sœur, la maison était comme figée dans le temps, bercée par les sons du bruit blanc de la cassette VHS et du collier qui pendait sur le cou du chien que nous avions enterré il y a 2 ans. Soudain, le rire s'arrêta lorsque nous entendîmes les craquements de pas venant du haut des escaliers. Tout ce que je pouvais faire était de geindre doucement, alors que j'attendais de voir qui d'autre allait descendre.